Le sang, c'est la matière première. Ah, et c'est très juste. Donc j'utilisais le sang. Ah, parfois, je fais disparaître mes œuvres. Soit je les brûle, soit je mets des coups de peinture dessus. Et soit je tourne au dos. Tout ça, il y a un sens. C'est pas faire un travail spectaculaire. Non, il y a un sens. Dans un sens humanitaire. Que je le brûle. À l'âge, je pense que à l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai décidé d'être un artiste. À l'époque, en Chine, c'était pendant la pleine révolution de la culturelle. Peut-être pas tous les Français qui connaissent qu'est-ce que ça signifie, cette période de la révolution culturelle. Ça veut dire que nous, les élèves, on ne va pas à l'école normalement, on fait la révolution. Donc, à l'école, on n'apprend pas grand-chose. Je commence à dessiner partout, par terre, sur le mur. Et pourquoi par terre sur mur? Parce que je n'avais pas le moyen d'acheter des papiers. À l'âge de 14 ans, j'ai réussi un concours pour rentrer à l'école de Beaux-Arts. Donc à ce moment-là, je dis, je fais des beaux-arts, j'aime l'art contemporain, j'aime la photographie, j'ai beaucoup pratiqué pendant des années. Je dis, je reste en photo, mais pas que. Être un photographe, comment on dit en français, un plasticien. Faire une œuvre spontanément et on peut faire une œuvre bien conçue avec un concept, avec un pensée philosophique derrière. Je ne sais pas moi comment je fonctionne comme ça. Je prends toujours le premier main de source, c'est-à-dire les images que je fais, les photos que je fais. Je les considère comme le première main de ma source. Je laisse le temps de développer. Et petit à petit, l'œuvre a commencé à pousser. Il ne faut pas limiter dans la matière. Il faut aller vers une œuvre totale ou un art total. Par exemple, pourquoi je brûle les portraits des 12 condamnés à mort? D'abord, ce travail était fait pour contre les condamnés à mort. Tous ceux qui sont sur les photos, probablement, ils n'ont plus là aujourd'hui. Je les brûle. Ça, c'est un geste symbolique. Mais je le ramasse, le cendre des œuvres. Je l'ai conservé. Et après, je fais une installation. Dans cette installation, on peut donner un titre. C'est le mémorial pour les mauvais. Il faut inclure le sens politique, comme le sens poétique, comme le sens philosophique. Sinon, c'est une pièce de décoration. L'œuvre d'art, un vrai œuvre d'art, ils ont besoin d'inclure de tous ces sens-là. Je dis, c'est vraiment ça, un lieu d'échange. Dans notre culture, au moins dans la mentalité chez moi,
je dis... Il faut savoir aussi de donner. On n'a pas que recevoir. Il faut aussi savoir donner, de rendre le service. Ouais. Donc, quand je peux, je vais le faire. Thank you.